Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de South Park, l'anal du destin. Proutman, Thunderpants. Ok, bon bah on y va. He's just trying to unite all the crime families in town. He's everywhere. He's nameless, faceless. He can change his appearance like the wind changes direction. Wait, what did you say? He says there's a revolution coming, and the darkness of our own hearts will bring about our undoing. He is that which liberates, and he knows the true weakness of tolerance. And his coming will bring about a tide of chaos like nothing we've never seen, you betcha. Oh my god. Could it be? No, it's impossible. C'est impossible. What's impossible? There's only one person I know of who can disguise himself so easily. And it's the same person who might have a motive for tearing South Park apart. Who? Qui? Mitch Connor. Mitch Connor? No. Who's Mitch Connor? It's Cartman's dumbass hand puppet. You know damn well that Connor was just using my hand to suit his needs. At first, he disguised himself as Jennifer Lopez, who loves Oh, ça remonte tellement he was loin. Arrested by the police, but escaped. But why would he want to take down South Park? And where would he get all his money? Shut up! It's not Mitch, stupid fucking Connor! How do you know? No, Kyle is right, you guys. It couldn't be Mitch Connor. Connor died in an oil rig explosion in northern Alaska. Fuck, I'm going to bed. Yes, yes, good idea, human kite. Everyone get back to your homes, it's getting late. Let's all reconvene tomorrow. After... It's cool. And now, the news program that starts your day off right. Good morning, morning South Park. Park. The South Park vigilante struck again. Eh ouais, je sais. At a meth lab in the downtown New Start facility. Here with more is a midget in a fedora. Tom, six people were arrested last night after the vigilante exposed a huge meth lab in the storage facility behind me. Eyewitnesses have come forward with shocking reports that the vigilante's farts were so awful they seemed to actually rip the fabric of my I've never heard a fart like this, man. It was like, one minute he farted on my dick, and the next thing, my dick was like 20 seconds in the past. Finally, someone is standing up to all the crime in this. Eh ouais, je sais bien, Angela Merkel. People here all deserve. Je suis seul à voir Angela Merkel, là, ou pas? He's a menace, if you ask me. How long before this vigilante gets radical and blows up a school or a church, huh? How long before Captain America becomes Captain Ideology? Huh? The third Captain America movie? How long was that? About 6 years. Voilà, faut environ 6 ans. C'est vrai que Captain America, voilà ce que c'est quoi. As a warrant was issued for the vigilante's arrest. This city will not be victimized by mass crusaders who sneak around and fart on people at night. Mais je t'ai aidé. J'ai fait que ça. Citizens to arm themselves and fight against this kind of rectal oppression. Mais j'ai fait que ça, t'ai aidé. Yeah, it's me. Nobody knows anything about this kid. Not what race he is, not even if it's a boy or a girl. What do we do, sir? Just keep getting the product into people's drugs and alcohol. I'll handle the vigilante. This deal's getting out of control. You said you could get the mayor out of office. You wanted to be left alone, Commissioner. To do what you love doing. I've made that happen. Just stay calm and soon everyone will have exactly what they want. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Alors plusieurs choses. Il cherche qui je suis. On sait qui c'est aussi maintenant. Ouais, j'ai bien compris ça. J'avais dit qu'il allait encore y avoir quelque chose dans les chiottes du parc. Je l'avais dit. Il est temps de porter notre costume! En fait, non. Si? Ah merde, j'ai pas voulu aller trop vite, mais pourtant j'ai été suffisamment vite. Ah, quelle débâche. Salut les gosses. See, you just spun around and different clothes came on. That's dumb. Débile? What? Comment ça, c'est débile? Ah, vous venez d'apparaître. Ah, mais... J'ai essayé d'anticiper pour être dans la zone, mais j'ai pas réussi. On y va. C'est le combat d'échauffement. Let's dance. I mean, not literally, because I don't dance. Let's punch. Si tu veux, pas de soucis. Wouah, comment tu m'as parlé ?
Tu vas bouffer! Attends. Non, en fait, non. Voilà, tu m'as insulté. Tu payes. La portée n'est pas terrible. On va le bouger un petit peu. Eric! Non, c'est dégueulasse! Ah! Bah! Ouais, je m'en occupe, ouais, ça va chier. Allez, double tour, on en termine rapidement parce que là c'est un combat à moitié dégueu, j'aime pas ça. Ah, on va se mettre là. Y, c'est pas le bon endroit. Y, on est bon. Hiya! Voilà, donc ils ont l'état de choc. Et maintenant, je peux faire masse dégâts. Hop, voilà. Donc on a eu, hein. Les autres sont en état de choc, ce qui est assez cool. Oh la vache! La quantité de dégâts qu'il m'a mis! What the fuck? Ah oui, mais ils sont niveau 500, d'après ce que j'ai cru voir. Il doit être 600 et quelques, moi. Ouais, c'est à toi, ouais. J'aurais peut-être dû me soigner. Enfin bref. Ah, ok. Okay, who's the next target of my unbridled rage? Fill her up. C'est absolument dégueulasse. This is for scrambles, you bastards. Ça y est, il se bat pour son chat, pardon. Je veux dire son chat. Trop de rapport à moi, malheureusement. Hop, les bouffe. Ok. Il fait super mal, lui. What? Ils sont au courant? Oh, mais ils sont balèzes en termes de... Question, est-ce que je fais... Ah, je fais suffisamment large. C'est parti alors. C'est parti. Hiya. Ah, j'en ai carrément nucléarisé, hein. C'est cool. Enfin, je crois. Non, mais pas. Ouais, c'est à ton tour, mais bon. On va te poser là. En espérant que tu vas te prendre suffisamment de dégâts. Tu vas attaquer un de tes potes? Bien joué. Bien joué, bien joué. Je t'applaudis pas. Ok. Bon, du coup, qui c'est qui a le plus de points de vie de vous deux? Lui. Eh, hey, hey, ce combo. Blah. Oui, oui, je sais bien, c'est à moi. Tiens, prends un petit coup dans ta tronche, Eric. Je sais bien que je touche pas, mais sur le principe, ça aurait été cool. Voilà, je voulais finir avec aucune limite à mon pouvoir. Bon, on est trop balèze. On a gagné 2$, c'est épique ça. La seule chose qui m'emmerde, c'est qu'on a pris... Ah non, on a même pas 600. Ah oui, ils avaient un groupe de 500, on avait 600. On avait 394. Pourquoi j'avais l'impression qu'on avait 610, moi? Débile. Enfin bon, c'est un gros combat qu'on a su gérer comme des pros. Récupération de santé plus, santé d'allié bonus. Bah... Je serais peut-être plus partant pour de la récupération de santé supplémentaire. Et ça, on en a toujours pas. Aha! Aha! Point suprême de chaos, gagne 101 puissance. Favorise le moment excellent pour la santé. La vache! Mais c'est complètement pété ça en fait. Hop les. Wouah! Même en termes de. Enfin de stats, regardez, je gagne quand même.
Enfin, je gagne quand même plus de 9 partout, quoi. Presque 13 sur intelligence, gagne 101 en puissance, c'est complètement épique. Waouh, excellent. Par contre, j'ai que 2 de déplacement. C'est la tristesse, quoi. A voir si on trouvera un truc pour améliorer ça plus tard. Cool. Cool, et pas coon. Ça, je l'ai pas. J'en ai déjà un pourtant, j'en ai déjà mis. Équipé, voilà. Hop. On a tout. On n'a pas le niveau supérieur, mais on a tout le reste. Pourquoi pas. Ça, ça nous rapporte plein de trucs. Antidote max, ça donne quoi? Ça peut être intéressant, hein. Bon, on verra. Ok, rends-toi au repère du Coon. Interagir. On y va. Hop. Je l'ai pas vu. Il a recrypté le mot de passe, mais on l'a pas vu. Merde, Crudy. Non, mais du coup, avec 500 et quelques, on est peut-être bon pour... On n'a pas le niveau de puissance recommandé. Donc on va attendre encore un petit peu, c'est pas grave. Et on va aller faire de la mission principale. Et apparemment, j'ai des trucs dans mon coffre. Donc d'abord, 5 de 9. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans mon coffre. Vous êtes bien battu, bande de Coon. Mais général, désolation doit malheureusement partir. Mon costume est dans... Merde. Effectivement, c'est moi. Donc ce n'est pas un choix. C'est pas machin ou truc. C'est va faire ça et va faire ça. C'est deux quêtes différentes. You stupid fucking cow. Have another glass of Chardonnay, why don't you? I have to drink to deal with you. That marijuana is changing you somehow. At least marijuana is natural, not like grapes. You're fucking high. Maybe so, but I'm not telling everyone our child's secrets. Go be paranoid some more in your room, Chris. Have another drink, Kelly. Go be paranoid some more in your room, Chris. Have another drink, Kelly. Oh, hey, kiddo. Daddy's gonna go upstairs to his room. Mommy's gonna go get a drink. C'est d'une tristesse sans nom. Oh là 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 là. Bon, on va aller voir maman. Oh, maman ne pleure plus. Maman est colère. I'm not crying. I'm laughing. Don't worry, baby. When I'm dead, the pain will all go away. Go away, sweetie. This is mommy's crying time. It's okay, honey. There's just something in my eye. Non, je vois rien dans tes yeux. Hein. T'as juste surtout l'air énervé, quoi. C'est tout. Hein. Tout a l'air d'aller correctement, sinon pour le reste. Papa, qu'est-ce que tu fais? Il en avait encore, donc. Stupid fucking bitch. Fucking hate you. Pas sympa, papa. Pas sympa du tout. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans mon coffre qui est si important? Sac de ramassage d'objets pointus. Ski d'analyse de semences de petit détective. Oh, mon dieu. Cette hache. Cette hache avec le panneau stop. Enfin bon. On y va. On va chez Cartman. Même si, techniquement, Kingpin et Cartman sont plus ou moins la même personne. Plus ou moins. C'est le bras de la même personne. Hop, allons-y. Pote de la liberté. Arc, pourquoi je grimace autant sur la photo? C'est comme ça qu'il parle, hein, j'y peux rien. Vous êtes bien battu, bande de Coon. Mais général, désolation doit malheureusement partir. Mon costume est dans la poubelle jaune. Oh. Mon costume dans la poubelle jaune. Oh. Ouh. Bah tu me diras, mon costume dans la poubelle jaune, c'est comme si je disais No, girls. Allowed. D'accord.
Pas de soucis. C'est comme si je disais, va fouiller un truc avec du jaune. Bah oui, il y a que ça à fouiller. On y va. C'est parti. Coon friends, these are dark times. We now know for a fact that Scrambles the Missing Cat is part of a larger conspiracy. We also know that the fucking Freedom Pals have more information about this conspiracy than we do. Fact. Maybe we should just face it, guys. Maybe Freedom Pals have a better super franchise than we do. Hey, that's no way to talk, Mosquito. The only reason that Freedom Pals are ahead of us right now is because they're butt-fucking cheaters who sold out. Yeah, but Freedom Pals have Dr. Timothy and he can read people's minds and bend reality. Yeah, but faux. He just said that. When we made up our superpowers, he was like, well, I have every power to do fucking everything. You think that's fair? It's time for us to be as dirty as them. We have to know what the Freedom Pals know. How are we ever gonna get the help of the Freedom Pals? We send a spy. Someone in our group who pretends to want to switch sides and join Freedom Pals. Somebody who they don't know very well. The new kid joins Freedom Pals, then asks for assistance investigating the community center. Hope the new kid is good at bullshitting. You'll never get past the security grids. They change it every day. I can get the new kid inside. I've got hacking abilities, remember? Because I'm a gadgeteer class with the tinkering ability. No dice, Chaos. You're just saying that to get out of jail. You better let him go. The new kid will need him. All right, fine. Get the new kid inside Freedom Pals base. Okay. And if he tries anything funny, kill him. On va enfin pouvoir faire équipe avec Mysterio. Oui. Moi, c'est la seule chose que je viens de voir dans tout ce qu'il m'a dit. Recette du dentier déglingué. Bien, bravo. De la nécropince. Oracle du déviant. D'accord. Alors, je vais pas avoir assez pour tout prendre. On va prendre les plus chers. Plus celui-ci. Ok. What the hell is the Freedom Pal doing in the Coon Lair? Get the fuck out of here. Il est déjà dans le rôle. Il me vire. Mais bien sûr. Du coup, ça j'en ai pas. J'en ai un maintenant. Ça je n'en ai pas. J'en ai un maintenant. Ça je n'en ai pas. Si j'en ai un, pardon, autant pour moi. Voilà, celui-là j'en ai pas. Parfait. Celui-là, j'en ai un, j'en ai pas. Glyph Inferno, je l'ai pas. Bah écoute, on va le prendre. Hop. Il est temps qu'on augmente de niveau. Ah oui, c'est parce que je viens de le débloquer en fait que je l'ai pas. Ça aussi, je l'ai pas, donc je le mets. Le niveau 3 de la nécropince. Ça, il est équipé, équipé. Ça me semble bon. On est bon. Ok. Parfait. Est-ce qu'on peut légèrement augmenter notre puissance? On a deux niveaux 95. Santé d'allié bonus. Oh. Oracle du déviant. On va mettre ça. Finalement, on va revenir sur quelque chose qu'on avait un petit peu plus tôt. Mais on augmente de puissance. On augmente largement en termes de puissance. Et là, je suis au plus haut. Cool, cool, cool. Bon, bah, on est bon. En termes de costume, pour l'instant, on va pas changer. Et on y va. C'est bon, je m'en vais. Ah, ils sont prompts à me faire partir, hein, je veux pas dire, mais... Alors, voilà, maintenant, question. On a fait la fameuse quête. Voilà, il y a bien l'invitation. Il y a bien l'invitation. Il y a la rabatteuse aussi à aller voir ici. J'irais bien aider Mosquito d'abord. Ça fait longtemps qu'il nous a demandé notre aide. On va y aller. C'est parti. Crac. Tu devrais plus m'aider. Tu devrais plus m'aider, toi, normalement. Eh, soyons honnêtes. Tu devrais plus. Bye bye. Bye bye. Hop, c'est bon. Ah, puis on a plein de chemins aussi à faire avec la lave. What? Attendez. Hey, there's the vigilante. Our stakeout worked. C'est bien ce qui me semblait.
c'était des ennemis. Maintenant, c'était forcément des ennemis. Pourquoi je suis avec vous ? C'est nul. La musique est géniale, par contre. Ça fait vieux film des années 80. C'est absolument excellent. Hop. Et bouf. That's going to leave some scars. Et bouf. Aucune limite à mon pouvoir. Voilà. Comme ça, il a un tas de choc. En tout cas, on a bien augmenté notre puissance. Ça, c'est vraiment génial. Daddy's home. Ah, ah. Hop! J'essaie de choper le tank. On va appeler ça un tank. Sniper policier, what? Oh la vache, il va... Qu'est-ce qu'il fait? D'accord, d'accord, il a immobilisé toute la... Why not? On s'en fout, on s'occupait du tank d'abord. Boum! Hop! Non! Tu n'as pas le droit de faire ça. Hop les. Lui on va la voir. Je suis devenu tellement balèze. On peut voir la différence aussi en termes de dégâts. Vous avez vu que je suis passé quand même à 63 de dégâts. Je crois tout à l'heure j'étais à 55. Ça peut paraître ridicule, mais il y a bien une augmentation donc. Et je peux toujours pas faire grand chose avec toi pour l'instant, malheureusement. You're the disease, and I'm the king. And I'm the king. ok. Don't mess this up, dickbag. Dickbag. Oh là là, hé. Tu te calmes, un peu de respect. On va faire ça. Boum. But Lord's not taking any shit. Don't move. What? Si j'avais su qu'il ferait ça dans l'autre sens. Hop là. Si j'avais su qu'il ferait ça dans l'autre sens, ça aurait pas été pareil. What? Allez, casse-toi le gentil policier. Enfin, gentil. C'était relatif. Vous étiez de mon côté avant, puis maintenant vous êtes plus de mon côté, donc c'est dégueulasse. Ah oui, quand même. Il y a ennemi public numéro 1. Et il y a un truc rouge, une étoile rouge. C'est assez étrange. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Ils l'ont refermé, dis donc. Alors je sais que je ne pars pas dans la bonne direction, hein, vous inquiétez pas. C'est juste de voir... un petit peu tout ce que je peux faire encore dans la ville. Hop, c'est parti. Captain Diabetti. Excellent. Il est tellement bon. Et là, je peux enfin passer ici. Cool. Oh, la lave. Il me semble que c'était par là. Non, c'est pas par là. Cela dit, est-ce que je peux hacker cet endroit? Non. Pas encore, sans doute. Vu que j'ai le, vous savez, le hack du téléphone de la police. Alors ça doit être ici. Non. Attends, ça ne devrait pas être très très loin. Où il est, le camp? Le camp d'SDF. Excusez-moi, hein, le camp d'SDF. Vous savez, celui où il y a de la lave juste devant le panneau et que du coup je peux... Ce serait là? Tout simplement. Je me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Alors dites-moi comment c'est au niveau du son, hein. Je l'ai pas changé, s'il faut que j'augmente encore le son. Voilà, c'était là. Allez, il est temps de... de recevoir une pénétration brutale et forcée. Ah non. Ah, puis je suis déjà penché. C'est encore mieux quand je fais le son. Hop les.
puis c'est assez... Il y a même le son, j'avais complètement zappé. Voilà, bref. On a enfin... J'avais vu, là. Ok. Cool. Normalement, il y a un passage ici. Justement. J'aimerais m'assurer que j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire dans le coin. Et apparemment, c'est bien le cas. Cool. Bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. On s'assure que tout est bon. Parfait. Ça me semble pas trop mal. Where are those stupid cats hold up? Ici, voilà, regardez, ici j'ai aussi un truc. Et je me demande si je m'en étais rendu compte en fait, que j'avais les trucs du Capitaine Diabète. Non, c'est pas le bon. Parce que du coup, moi je cherchais souvent à péter le truc électrique pour faire passer, vous savez, trouver un truc électrique et passer de l'autre côté quoi, ouvrir la barrière de manière legit. Diabetes. Hop là, tiens, vas-y. C'est épique. Journey on, brave warrior, we will meet again. Oui, t'inquiète pas. Je te rappellerai pour te péter sur la fond, pour te répéter sur la figure. Y'a pas de souci. Si t'en redemandes, je t'en donnerai. Je vois pas de chat. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un chat. Est-ce que je peux encore? Hey, there's the vigilante. Our stakeout worked. Voilà. Ça nous en fera quelques-uns. Ouh, ils sont nombreux. Ok. Cette musique, j'adore. Hop. Un petit coup de foudre pour les deux personnes au premier rang. C'est bon. What? Le coon vient de me passer le tour. Il vient de me passer le tour, vous avez vu, hein. Ça y est, il veut bien se déplacer. What? C'est dégueulasse, ça. J'utilise une compétence et il me passe le tour, vous avez vu? C'est dégueulasse. Je fais une compétence exprès pour pouvoir... Bon, on va péter un tank. On va essayer. Voilà. Here I come to save the day. Avec un peu de bol. Ah, ils se prennent pas de... Bon, si tu le dis. Ah, d'accord, oui, c'est normal. Oui, je viens de comprendre. En fait, le premier coup, il s'est pris des dégâts, mais c'est l'autre qui s'est pris des dégâts, pas lui. Ok. Je viens de comprendre. Non! Attends, toi ça va. Toi ça va, t'es pas dans la bonne, t'es pas dans la bonne région. Lui, par contre, je passe son tour. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ah, vous y mettez à deux en plus? Bande de lâches. Il était pas persuadé. Je ne peux pas. Donc je reste planté là. Ok. On se permet d'attaquer deux fois après tout. Ouais. Ouais. Allons-y comme ça. C'est vrai que... Mais c'est parce qu'en fait, je l'ai pas fait d'une autre manière pour éviter que... Et là... Hop.
Là, je peux avoir pratiquement tout le monde. Hop là. Bouf. Ultime prêt. C'est parti. Vu que tout le monde adore le l'ultime du coude, autant l'utiliser. Boum. Ah oui, frappe ton copain. Oh non. Quel dommage. Vous allez avoir l'air de deux abrutis quand même, hein, je veux pas dire, mais... Allez, cours. Il y a l'autre mec avec son bouclier qui les regarde faire, regardez. Hop les. Genre... Oh, c'est con ça. On va se mettre là juste pour virer l'autre flic. En mode chieur. Allez. Il est temps de virer ce policier. C'est parti. Hop là. Thanks for standing there like a little bitch deer in the headlights. Ah, petite vengeance. Ah non, même pas. Et voilà. Ah non, pas battu, pas encore. Mieux. Mieux encore. Voilà. Hop, ça c'est fait. Donc on a buté quoi, 5 flics, ça fait 8 au total. Si, pour ma traque, défonce tout. C'est ça. C'est ça. Ok, cool. Je pense qu'on va... On va tenter quelque chose. On va tenter quelque chose. Et on va se laisser là pour cet épisode, les amis. Merci de l'avoir laissé Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop!